mardi après-midi dans un lycée, le lycée Trégé, à Bordeaux, le cours aborde la religion musulmane. Discussion, le prof et un de ses élèves sont en désaccord, le ton monte, le lycéen s'énerve, renverse une table, la salle de classe est évacuée par l'enseignant qui réfère au personnel de la vie scolaire ce qui s'est passé, convoqué dans le bureau du conseiller principal d'éducation, l'élève s'énerve de nouveau, quand il apprend que ses parents ont été avertis de l'incident, il passe son humeur sur le mobilier et les murs, il menace de tout casser, puis croisant son professeur dans le couloir, se jette sur lui. D'abord bousculé, l'enseignant reçoit des claques de la part de son élève, un coup de poing et un coup de tête. Une jeune surveillante qui tentait de s'interposer a reçu un coup dans l'épaule. Elle a évité un panneau d'affichage lancé dans sa direction par l'élève furieux. Il a été interpellé et placé en garde à vue. C'est le Sud-Ouest qui rapporte cette information que nous venons de recevoir.